En défense, on était plutôt correct. On a arrêté l'adversaire plusieurs fois. On n'était jamais trop en danger. Par contre, offensif, on a besoin de travailler encore un petit peu plus. Mais de toute façon, donc on est content avec les résultats. On est 5 points aujourd'hui, on est 3 sur 3. Donc après, on montait avec 15 points. Donc nous sommes heureux à cette occasion. Pour moi et Sandile, c'est déjà 3 ans qu'on travaille sur ce projet de monter, mais c'est pas que nous deux. Donc après, il y a les staffs de l'équipe première qui aussi interviennent dans notre équipe, les inventeurs d'espoir aussi qui travaillent avec l'U18. Donc c'est vraiment en fait avec cette qualité de club qu'on a avancé. On est très content d'être finalement en Crabos. C'est un travail qui finalement payé. Et maintenant, on sait très bien qu'on a du boulot à faire parce que ça va être les matchs compliqués tous les week-ends. Ça fait en fait suite à la politique de club mise en place il y a 2 ans, où on s'était mis d'accord avec le président de la SASP pour amener nos jeunes au plus haut niveau jeune, donc Crabos pour les U18. Et aujourd'hui, c'est chose faite, donc c'est une grande marche que passe le club. C'est la petite histoire dans la grande histoire du club de Lussonne-Neuve Rugby. Et ça coïncide d'ailleurs aujourd'hui avec l'ouverture de notre académie privée, donc ce qui est une très très bonne chose. Voilà, le club est en avant. L'idée, c'est d'alimenter de plus en plus maintenant le centre de formation et donc l'équipe Espoir avec nos U18. Et bien sûr, l'équipe Espoir a alimenté l'équipe 1 qui aujourd'hui a très bien commencé en Pro D2. Aujourd'hui, un match assez compliqué dû aux conditions avec le vent. Première mi-temps, on marque 14 points alors qu'on a le vent dans le dos. Après, deuxième mi-temps, on s'est bien battu, mais ouais, un match difficile. On attaque sur un premier match contre Dijon, très gros match de notre part. On baisse un peu le niveau au second match contre Issoire, et puis aujourd'hui, bon, on était un peu en dessous, mais bon, on avait un objectif cette année, c'était la montée en Crabos, 3 victoires, 3 bonus offensifs, voilà, tout est dit.